Hello, hello tout le monde, c'est Lynn. C'est bien, nous voilà de retour pour une petite vidéo découverte, à mon avis qui va pas être très très longue, sur Ludoria. Tout simplement parce que ce jeu, ça a été un coup de cœur. Quand j'ai vu un peu la vidéo où on pouvait se transformer en petit dragon jusqu'à Wai, je me suis dit, il faut qu'on l'essaye et on va faire ça en vidéo. Alors, on voit ici que c'est une pré-alpha 0.0.0.0. Autant vous dire, à mon avis, pour le moment, il n'y aura pas beaucoup de contenu. J'ai juste testé un petit peu pour les histoires de contrôle. Et en mon sens, il promet d'être bien si les développeurs tiennent leurs promesses. Donc, on voit ici qu'il est disponible en single et en multi. On va nous le découvrir en single player aujourd'hui, mais c'est toujours bien pour des jeux qui sont comme ça en pré-alpha qu'on sait qu'ils vont eh bien être disponibles en multi. Vous savez, moi j'adore jouer en multi, mais une petite découverte de temps en temps toute seule avec vous, eh bien ça fait du bien. Donc notre personnage Lynx, on va prendre le nom de Stinael toujours pour notre... Ah oui, attendez, je suis en QWERTY. Stinael, voilà. Et on va prendre une femelle, donc un personnage féminin. Malheureusement, on n'a pas de création de personnage, un petit peu dommage, ça manque peut-être un petit peu. Et on create. Et donc là, on va atterrir dans un monde. Est-ce que ce monde est un peu différent de celle que j'avais fait moi juste avant? Ça me paraît fort semblable. Et donc, bah, nous voilà, tout simplement, notre petit personnage. Bon, elle a pas les mêmes yeux que moi, et là... On peut pas, on peut pas, voilà. Elle a la tresse, hein, on s'est déjà vu avec une tresse, donc pourquoi pas. Et donc en fait, le jeu est simple. Donc un HUD avec l'heure en haut, l'heure in-game bien entendu. Et regardez, ils sont déjà là, c'est-il pas merveilleux tout ça? Alors en haut, une minimap avec les petits points rouges, ce sont tous les petits monstres qui sont dans le jeu. C'est un peu un catch them all, un peu un Pokémon, mais un petit peu avec une petite subtilité qui est très géniale. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc si jamais j'appuie sur le bouton droit de ma souris, j'ai un petit menu avec une petite barre de recherche. Et si je fais ça, oh, regardez-moi ceci, il est pas mignon. Eh bien voilà, donc j'apprends, je l'attrape pas, mais j'apprends que c'est un dragolif. Et si maintenant, regardez, je fais ça, c'est-y pas kawaii, c'est-y pas kawaii, tout ça. Par contre, la navigation du jeu est un peu difficile. Mais regardez-moi ça. Regardez ça. Et si éventuellement on veut commencer, eh bien normalement, on peut voler. Attendez, il faut peut-être prendre un peu de vitesse. Regardez. C'est pas tous les jeux en pré-alpha qui nous permettent de faire ça. Hein. C'est génial. Regardez-moi ça. Enfin, soit. Moi, je le trouve très très joli. Alors, bon, il y a un petit peu plus que ça dans le jeu. Si on va les scanner, apparemment, ça en haut, c'est le temps que j'ai pour rester dans mon personnage, dans le petit bonhomme. Et donc, en fait, on a un drain, on a un pouvoir, on va dire, de transformation. Donc, c'est un petit laps de temps pendant lequel on peut se transformer bah, dans toutes ces bébêtes. Ce qu'on va faire directement, bah, tant qu'on est là, on va essayer d'apprendre le plus de petits monstres possible, parce qu'éventuellement, eh bien, chacun, pourquoi je peux pas l'apprendre lui? Parce que chacun, eh bien, a des pouvoirs et des choses qui sont différentes, et donc on va essayer de voir un peu ce qui nous propose tout. Alors, je sais pas, ils n'ont pas l'air de m'agresser, donc ils ont l'air d'être gentils. Lui, ça a l'air d'être un qu'on a déjà vu. Je propose qu'on aille voir. Oh, regardez lui. Il est tout rouge. Oh, il est tout... Oh, celui-là, il est tout mignon aussi. Attendez, on va la prendre, comme ça on pourra peut-être... Est-ce qu'on peut se mettre dans un autre, du coup? Alors, si on va ici dans le menu de notre personnage, on voit tous ceux qu'on a appris. Ah oui, vous voyez? On pourrait se transformer en... Ah oui, donc en fait, même les couleurs sont différentes. C'est vraiment un truc... Ah, regardez. Par contre, lui, il a des rayures. L'autre, il avait des petits dessins. Voilà. Ce faisant, ce qu'on va faire également, donc on va continuer de voir le menu. Donc ça, c'est un peu l'inventaire de mon personnage. Donc ça, on va en revenir tout de suite. Et donc là, en fait, tous les mobs qu'on peut attraper avec à chaque fois des petites aptitudes ici en bas. Un peu particulières, très bien. Et également, donc, le menu de construction qui est un peu différent des autres jeux. Parce qu'on va pas construire, eh bien, un bloc à la fois pour construire notre bâtiment. On va essayer de s'approcher par là pour faire notre maison. On a déjà en fait
Les choses qui sont préfabriquées et on doit juste les poser tout simplement. Donc, ah, regardez, il y en a un autre là. On va aller le scanner tout de suite. On va poser notre base. Ça me paraît assez plat ici. Ça, on va le ramasser. On va passer notre base. Comment est-ce que je fais pour la placer du coup? Ah, laisse-moi la placer du coup. Hey! Hey! Non? C'est à cause du QWERTY que ça pose problème? Ah, voilà. Voilà notre base. Petite. Petite base, on est d'accord. Donc voilà, donc on va construire notre base. Attention que le jeu terraforme un petit peu, donc ne pas trop mettre la base trop près de soi ou sinon il y a un petit souci. Avec le bouton gauche, on reste appuyé. Vous voyez, le jeu prépare lui-même la mise en place du truc. Et donc là, on a encore une petite table de craft, j'ai l'impression. Donc ce qu'on va faire, on va sortir. Laisse-moi sortir de là, laisse-moi bouger. Laisse-moi bouger. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre notre table de craft. Va falloir qu'on se crafte une porte. Parce que vous voyez le préfab ici. Ben, c'est joli, c'est bien, il est placé, mais il n'y a pas moyen de rentrer dedans. Donc il va falloir qu'on se crafte une porte. Pour se crafter une porte, on va recrafter notre petite table de craft qui est... Voilà. Ah oui, le 1, c'est pour dire qu'on en a une. C'est pas pour dire que... On peut pas le changer de position? On peut pas le rotate? R? Ah si, un peu. Ok. On va la mettre là. Voilà. Donc une petite table de craft assez originale, assez kawaii. Donc voilà. Donc ça, on peut les poser sans rien avoir récolté. Vous avez vu, j'avais rien récolté. Alors attendez, on va aller chercher ces petits bonhommes là. On va scanner ces petits bonhommes là. L'avantage, c'est qu'on peut le faire de très loin. Un robatome. Alors comme on a les informations, il est électronique et c'est commun. Très bien. Et donc voici notre petite table de craft toute mignonne, toute jolie, regardez-moi ça. Les graphismes du jeu sont quand même assez jolis, ça on doit le regarder. La jouabilité, c'est pas encore ça, mais le jeu, moi je le trouve joli, c'est déjà quelque chose. Hein. Et donc voilà notre table de craft, notre menu de craft, avec ici en général eh bien, les composants qu'on va pouvoir crafter pour mettre dans notre base. Et les éléments qui vont nous permettre, donc en fait si vous voulez, on va devoir crafter une porte, voilà, porte, donc on peut la crafter, et ça, on a besoin d'éléments, et les éléments se trouvent dans ce deuxième menu. Donc par exemple, ici on n'a encore rien récolté, tout paraît très bien, c'est bientôt la nuit, on n'a encore rien fait, mais c'est pas grave, vous me connaissez. Et donc pour faire la porte, on a besoin de titanium, de fer, et de glace blob. Alors glace blob, il est là au-dessus, il nous faut du silicium, donc il nous faut du silicone, pardon, pas du silicium. Du silicone, pour du silicone il nous faut du sable, il nous fallait du fer, donc de l'iron, avec des herbes bleues et de la pierre, et il nous fallait du titanium je crois, avec de la pierre et du bois. Donc maintenant ce qu'on va aller faire, eh bien on va rentrer dans la dernière partie du menu qu'on n'a pas encore faite, qui est avec, représentée par les trois rondins, qui est la partie collecte. Et donc on va aller devant les petites choses avec... Pourquoi tu veux pas? Voilà. On va aller devant les petites choses avec notre petit curseur et on voit toujours cette petite barre verte qui progresse. Et au fur et à mesure, eh bien, on récolte les matériaux. Alors, quelque chose que j'ai trouvé quand même assez surprenant, c'est vous voyez l'arbre là? Eh bien, en fait, d'ici, je peux le récolter. À mon avis, ça, c'est quelque chose qui va vite changer avec l'alpha. Parce que c'est un peu triché, regardez. Même celui là-bas, je peux le ramasser. C'est un petit peu cheaté, je trouve. Un petit peu. Mais bon, hein, tant que c'est là, on en abuse, hein, c'est bien. Donc, on va prendre toutes les herbes. Alors, il nous faut... Ah, ben, de la pierre, il y en a justement là. Ah, j'ai pas regardé combien il en fallait. Donc, on va en ramasser quelques-uns. De toute façon, il fait nuit, donc on va se balader un petit peu. Et là-bas, il y a l'air d'avoir du sable. Donc, bah, écoutez, on va descendre. Hein. On va descendre. On remontera avec notre petit... Je vous avoue, c'est juste parce que j'ai vu qu'on pouvait se transformer en dragon que j'ai voulu essayer le jeu. Hein. Maintenant, je crois que vous me connaissez un petit peu. Mais je trouvais ça sympa, le fait que... On a atteint le level 2. Je trouvais ça sympa, en fait, le fait que... Ben, tu scannes pour une fois, et tout ce que tu scannes, tu peux te transformer. Et les choses sont pas... Oh, ça, on l'a pas non plus. Attendez, c'est quoi, ça? On l'a? On peut le scanner d'ici? Arrête de bouger, monsieur. Arrête de bouger. Arrête de bouger, monsieur, que je te scanne. Je veux pas te faire de mal. Il y a des champignons, là. Peut-être que... On peut ramasser les champignons?
Attends. Un Magnus. Je ne sais pas si j'avais ça. Et toi, t'es quelle couleur? T'es rouge à rayures? Oh, mais l'air qu'on n'a pas celui-là. Eh, vert. Oh, si. Bon, il fait nuit. On va essayer de pas prendre les couleurs maintenant. Et ça, c'est les mêmes arbres? Ils me paraissent jaunes. Mana herbe. Rowoot, on en avait besoin, de toute façon. Des mana herbes. Mana herbe. Mana. Ça peut être intéressant. Je vois pas où ça intervient pour le moment, mais ça peut être intéressant. Pierre, on va prendre. Et de l'herbe bleue. On va en avoir besoin de l'herbe bleue. C'était bleu ou c'était vert qu'on avait besoin? Je sais plus. Alors, il y en a de la bleue, donc on va prendre. De toute façon, ça prend notre lieu de spawn. Donc, à mon sens, ce qu'il y a doit être utile. Alors, ce qu'il me faudrait, c'est du sable. Comment je récolte du sable? De la pierre. On va prendre un peu de pierre. Ah, ça, c'est du sable. Donc, on peut pas le prendre. On peut pas le prendre par terre. Et donc, ça, c'est de l'eau. On peut pas prendre l'eau. Je sais pas si on peut aller dans l'eau. On va reprendre un petit peu. C'est quoi ça? C'est du sable aussi ou... Eh, c'est quoi ça? Hop, attendez. Ah ça, on peut pas scanner. Et ça, j'ai l'impression que ça va être méchant. C'est quoi? Pourquoi on peut pas scanner? Je suis trop loin? Eh, viens que je te scanne. Ah mais non, je suis en collecte. Attendez. Voilà, viens. Alors, Ice, come on. Oh, mais c'est pas sympa ça. Regardez-moi ça, comme ils sont mignons. Quand il fera jour, on essayera de se retransformer. Oh, ça c'est quoi? Ah oui, champignons. Attendez, collecte. Voilà. Est-ce qu'on peut collecter le champignon? Oui. Non, pierre. Bon, attendez, on va collecter toute la pierre, on prendra le champignon après. Je vais éviter de prendre les ressources super loin, hein, parce que moi je trouve ça un peu cheaté. Donc voilà. Par contre, on va remonter. Allez, saute. Alors, attendez, courir. Sauter, voler. Voilà. Et puis il faut tenir le bouton ou comment ça se passe? Non, ça a l'air de passer tout seul. Ah. Attendez, on va en essayer un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On revient nous? Attends, on revient nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Donc c'est ici. Et donc apparemment c'est le premier qui prend. On va essayer de se transformer en ça. Ça a l'air badass ce truc. Attendez, c'est quoi? Hop. Ouais, ça a pas de pouvoir particulier. Par contre, j'ai l'impression qu'il marche vite. Ouais, j'ai l'impression que ça court vite ce truc comme ma main. Plus vite que mon perso. Voilà, je la fais courir en même temps, mais. Ouais, paraît pas mal. On fera ça pendant la journée. Quand il fera jour, ce sera un peu plus facile. Alors, il y a une petite lampe qui est mise d'office. C'est pas plus mal parce que la nuit est assez noire. Hein. C'est. Voilà, alors maintenant on a des éléments. On avait besoin de silicone, donc on y va. Vas-y, fais le craft. Oh, regardez! Oh, c'est joli! On va encore en faire. Je sais pas combien il nous en fallait. Ça nous en craft 10 à chaque fois, c'est ça? Oh, nice! Alors, du titanium. Ouais, très bien, du fer. Ça fait toujours les mêmes. Ouais, ça fait toujours les mêmes animations en fonction de ce qu'on craft. Peut-être que si on craft maintenant... Ah oui, il fallait du machin. Peut-être que si maintenant on craft un général plutôt qu'un élément, ça va changer. Oh oh! Allez, il nous en fallait deux, je pense. Hein. Glace blob. Même les noms, je trouve ça sympa. Alors, on a ce qu'il faut. On craft item pour voir si ça change quelque chose. Ouais, ça change pas. Bon, allez, c'est nice quand même. C'est quand même joli. C'est quand même bien fait. Même s'il n'y en a qu'un. On peut pas non plus tout avoir. Où est-ce qu'on va mettre notre porte, du coup?
Alors ça, j'ai juste vu qu'il le mettait dans la vidéo de présentation, donc je sais qu'il faut faire une porte pour rentrer à l'intérieur. Ce qui est quand même assez bizarre, hein, de devoir faire une porte pour rentrer dans notre habitation. D'habitude, en général, c'est compris dans l'habitation, hein, c'est pas... on la ferait là? On est un peu loin de la table de craft, pour le coup. Je sais pas si on peut la ramasser. Je crois pas. Oh, on va la faire ici. Parce que c'est ennuyant avec cette pente. Juste là. Ok, attendez, on va essayer. Du coup, construction. On a ça. Voilà. Oh, regardez ça. Sympa, sympa. C'est quoi? Ok, on se calme. Porte. On se calme la porte. Voilà. Oh, mais c'est sympa tout plein. Alors, tout ça, ça sert à quoi? Il n'y a pas de description. On a un peu lâché hein, dans Power 100. Ah, donc apparemment, c'est une centrale d'énergie. Très bien. Ça m'a l'air d'être lié à la centrale d'énergie. Donc peut-être qu'on doit utiliser l'énergie à partir de ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut crafter d'autre pour mettre sur cette petite base du coup? Glass container can be used to hold several substances. Donc ça peut être utilisé pour utiliser des substances différentes. C'est bien parce que ça vous fait travailler en même temps votre chimie, hein, pour ceux qui sont encore aux études. Ludocell, c'est apparemment pour retrouver de la santé et des aptitudes. Très bien. Small windows. Oh, ça peut être sympa ça. Faire des fenêtres et des larges. Oh, on va faire des larges fenêtres. Attendez. Donc il nous faut quoi? Du. Attends, viens ici. Du globus. Voilà. Non, pas du globus, du blob. Glass blob. Donc il nous en faut deux. On va essayer. C'était deux, hein. C'était deux, c'était quatre. Je sais plus. On va en faire plusieurs pour voir. Ah ben on peut pas en faire plusieurs. Donc c'était quoi, large window? Ah ben, j'ai des deux. Parfait. Et il faut 5 fer. Fer, iron. Ok, let's go. On craft. Il faut les crafter un après l'autre. On peut pas mettre craft tout ce que tu peux. Ouais, ok. Donc craft. Bien. On peut faire un lit. Je crois qu'il faut que j'attende qu'il ait fini avant de changer. Pour faire du lit, il faut du carbone, du nitrogène, de l'iron et de l'aluminium. Element corridor. Ah, alors ça, en fait, apparemment, c'est ce qui va nous permettre de faire, d'agrandir notre base. Donc des corridors. Donc on va pouvoir, à certains endroits, eh bien, tirer des couloirs et pouvoir refaire toutes des cellules comme ça. Hop, alors fenêtre. Menu de construction d'abord. Voilà, menu de construction. Non? On était dans le menu de construction. Et on en a 4. Oh, regardez. Attendez, la mer, elle est de l'eau. Oh oui. Oh oui, j'en veux une. Par contre, on va pas en mettre 4. Attendez. Non, moi j'en veux une là. Vas-y, reviens. Construction, reviens. Alors, on va mettre une fenêtre là. On va pas mettre les 4. Parce que sinon, on va s'empêcher de. Non, tu l'as pas mis? Pourquoi il l'a pas mis? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai plus que 3 dans mon inventaire et elle est pas posée. Je crois qu'il y a un bug. À moins qu'il l'ait placé. Non, il l'a pas placé là-bas au-dessus. Attendez. Attendez. Peut-être que. Oh, si c'est ça, c'est moche parce que ça nous les décompte à chaque fois. On a placé la porte de dehors et donc on doit les placer. Mais! Moi, je me bats ma fenêtre! Mais! Bon, très bien. Bon, ben, pas de fenêtre. On va essayer de voir si on peut placer autre chose dedans ou si.
S'il y a un souci, on n'a plus passé la porte, donc c'est quand même un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe? Main capsule. Donc, vous voyez, corridor et main capsule, c'est ce qui va nous permettre d'étendre notre base. Inventory chest. Carbone et aluminium. On va pouvoir faire une télé. Des sièges. Cubic block. Voilà, donc c'est encore une extension. Et des power lines. Ah oui, donc ce sera ce qui nous permettra de pouvoir agrandir, enfin, de pouvoir utiliser la source d'énergie qu'on a. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se balader. On va se faire du carbone, du nitrogène et de l'aluminium. Est-ce que carbone, on peut en faire? On va se faire un lit pour essayer de placer un lit. Nitrogène et aluminium. L'aluminium se fait à base de pierre. Ouais, d'accord. On va dire, on va dire. Et bed, on peut le craft. Très bien. On va essayer de le placer. Puis on va aller se balader un petit peu. Voir un peu ce que le monde nous réserve. Qu'est-ce qui se passe? Ah, appuie M pour changer d'angle de vue. Très bien. Donc ce qu'on va faire, on va mettre notre lit... là. Pas trop... On n'a pas vraiment de chambre pour... pour nous mettre un... donc attendez, on va essayer de le mettre... Là, il y a l'air d'avoir une entrée, donc on va le mettre plutôt... On peut pas le changer, donc c'est obligé de rester... Peut-être pas près de la porte. Je peux... Ah ouais, même si je change mon orientation à moi, je peux pas... je peux pas changer le lit, ok, bon. Bah écoutez, on va le mettre en face de la porte alors, hein. On va dire qu'on est chez nous et que personne d'autre viendra nous ennuyer. Je crois. Je crois. On place le lit, on voit si ça fonctionne. Ah, le lit. Le lit peut rester. D'accord. Les fenêtres, pas, mais le lit peut rester. Par contre, presse R to interact. Oh. Oh. Et par contre, non, non, pas déjà nuit. Ok. Ça fait une belle nuit. Non, il fait déjà nuit. C'est pas possible. Bon, attendez, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que j'essaye de recrafter des fenêtres pendant la nuit. Donc, je vais rechercher ce qu'il faut. Et je vous reprends quand il fait jour. Et à ce moment-là, eh ben, on verra si on peut faire une petite étude des petits animaux. Et voir en quoi on peut se transformer et ce que ça donne. A tout de suite. Ok, donc voilà, on reprend maintenant. Pendant la nuit, je nous ai crafté des petites choses. Voyez, hein, j'ai bien travaillé. Donc je nous ai travaillé, je nous ai fabriqué de nouveau des fenêtres. Alors on va essayer de remettre les fenêtres. On va, je sais pas pourquoi, ne pourrait pas fonctionner. Alors là on peut en mettre une. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut les mettre. Donc je vois pas où est le souci. Donc j'ai fait les larges parce que, bah écoutez, ça a l'air d'être sympa quoi, les larges quand même. Et tant qu'à faire, autant voir. Et voyez, ça ne fonctionne pas. Et à chaque fois, ça part de mon inventaire. Ce qu'on va faire, on va essayer avec bah, une petite fenêtre pour voir si... Ah, c'est la grande fenêtre... Non ! Mais non ! Mais c'est la grande fenêtre qui... C'est les fenêtres qui sont buggées, en fait. Ou alors, je fais quelque chose de mal. Je comprends pas. On a essayé dedans, on a essayé dehors et ça fonctionne pas. On va réessayer pour voir. Est-ce que t'es là était... Ouais, que je le mette là ou je le mette autre part? Vous voyez, c'est à la place et puis après ça l'enlève. Hein. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va prendre autre chose qu'on a dans notre inventaire de construction. On va essayer de faire un petit corridor pour voir si on place d'autres choses, si ça fonctionne ou pas. Oh, ça a l'air d'être sympa ça. Attendez-moi voir. Alors là, maintenant, ça, si ça passe pas, je suis dégoûtée. Alors, on va pas se mettre trop près. Et je peux pas le placer. Pourquoi je peux pas le placer? Ah, ça y est. Là, on peut le placer. Bon, ça, ça fonctionne. Ah, on en a 4. Oh, attendez. Et à chaque fois, ça fait des fenêtres. Oh, c'est sympa. Et ça... Ah oui, ça en fait c'est une toute petite cellule. Hein. Bon, elle était pas très très chère, mais en même temps on voit ce que c'est. Ah, on en a plusieurs?
Et donc ça, on en craft 4. Très bien. Donc j'imagine que là aussi, il faut crafter des portes. Et si on met la fenêtre là, ça fonctionne ou... Et là, ça fonctionne. C'est peut-être pas prévu pour mettre des fenêtres, en fait. On aurait pu mettre notre lit là-dedans. Ça aurait fait une belle chambre. Avec une belle vue, en fait, en général. Donc c'est ça, le souci. Moi, je veux une vue par là de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais attendez, on peut pas faire ça directement? Est-ce que ça doit être lié à un corridor? Ça doit être lié à un corridor obligatoirement. On peut pas poser la cellule. Par contre, je peux poser la cellule là où je veux. Ça a l'air. Et si je fais ça, ça terraforme pour que je puisse avoir le truc. Ouais, très bien. Par contre, là, c'est ouvert. Ah mince, on avait notre fenêtre. Bon, c'est pas grave. Non, on n'avait pas de fenêtre. On n'a pas réussi à la mettre, la fenêtre là-bas. Si? Non, non, on n'avait pas réussi. Donc voilà. Et alors les petites choses que j'ai craftées, et ça me paraît génial. Regardez, ce sont des globes lumineux. Et donc si je le place là, c'est les espèces de torches. Et oh, regardez, elles se mettent en l'air. C'est les espèces de torches du jeu. Si c'est pas, c'est kawaii. Moi j'adore ce jeu. Bon, il est buggé, hein. Ça reste une pré-alpha 00000. On l'a noté, on l'a compris. Et attendez, et donc en fait, ça s'appelle des light orbs. Bon, c'est pas si cher que ça. Nitrogène, hydrogène, oxygène. C'est pas si cher. Et regardez. Bon, l'avantage, c'est que quand on en craft, on a tout plein en fait. On a 5. On va aller en remettre près de notre future belle vue. On va en mettre une ici. Elle va monter. Allez. Non, pas la fenêtre. Voilà. On va mettre une fenêtre là. Du coup, faudra une porte certainement. Je veux ma fenêtre. Et mais attendez, on peut pas passer là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais j'ai mal mis mon truc! Attendez, 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 attendez. J'ai mal mis l'entrée. Je le récupère? Ah oui, on le récupère. Ça retourne dans notre inventaire. Et là, il y a la fenêtre maintenant. Attendez. Je peux pas. Ok, attendez, on va récupérer ça. Non, je peux pas récupérer? Si, je peux récupérer. On le récupère, c'est bien. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas? J'ai l'impression que là-bas ça s'est accroché direct et ici ça veut pas. Ouais, vous voyez, non, ça veut plus. Bon, éventuellement on fera ça de l'intérieur, du coup. Là on peut pas le poser, ça reste normal. Je vais pas crafter une TV, moi aussi. Descends. Donc elle a un petit peu du mal hein, quand c'est sur des terrains un peu vallonnés. Bon, du coup. Mais attendez, du coup, il a placé mes fenêtres ou. Du coup, il a placé les fenêtres, regardez. Est-ce que je peux détruire ce mur-là? Non. Donc, il faut placer des portes. Très bien. Ah, tiens. Laisse-moi passer tranquille. Du coup, tu me laisses placer les fenêtres maintenant. Oui, à peu de choses près que non. Vous, attendez, pourquoi est-ce qu'il... Non, il est bugué ce jeu. Vous voyez, parce que là, je suis avec grande fenêtre et il me met le dessin des petites fenêtres. Ouais. Donc, point de vue crafting,
Ça reste encore un peu à voir. Tiens, j'avais crafté une fenêtre, une TV, je crois, non? Props. Oui, on avait crafté la télé. Donc à mon avis, on, voilà, n'apparaissent que ceux qui sont un peu surlignés en jaune dans le menu de craft. Voilà. Et donc du fait qu'on a mis ça maintenant, maintenant on a la télé. Alors la télé apparemment ne se pose aussi que sur ces murs-là. Ça c'est ennuyant parce qu'au final ça prend beaucoup de place. On va la mettre là. De toute façon de ce côté-là, il n'y a rien, il n'y a pas une belle vue. Et c'est le seul endroit où... C'est le seul objet qui fonctionne jusque maintenant avec les globes lumineux. Très bien. Vous voyez, une mise à jour, il est sorti... Non, pas une mise à jour. Il était disponible en pré-alpha avant enfermé. Et il est disponible depuis hier, donc il y a peut-être des petites choses à modifier. Hein. Il faut peut-être qu'il regarde ce genre de choses. Alors, vite, on va terminer l'épisode par une petite vue des différents bonhommes. Donc on a vu celui qui courait vite. Lui, il fait quoi? Ça. Ah ouais, lui, il est badass, hein. Et donc lui, il fait quoi si je fais son... Ok, ok, c'est une pelle en puissance, il creuse, et en plus on reçoit les ingrédients, les trucs dans notre inventaire. D'accord, lui terraforme, très bien. Vous voyez que c'est utile de les prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ludorums. Lui on l'a essayé, lui il fait quoi? Ouais, il est un peu moins joli. Il se déplace pas spécialement vite, et alors vous voyez, hein, dans l'inventaire en bas, où il y a ma petite barre d'XP. J'ai pas l'impression qu'il y ait une barre de vie, par contre, une barre de soif, de faim ou quoi que ce soit. Mais on voit dans la petite barre qu'il y a en dessous que il a pas de pouvoirs spéciaux. Le seul qu'on a, c'est en 1, et c'est pour revenir avec notre personnage, notre petit caractère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Eh bien, le Magnus. Magnus, oui. Oh, qu'ils sont mignons. Ah si, il avait une couleur différente. Regardez. Trois différents. On va regarder ce qui ce que, comme, à quoi il ressemble. C'est un petit coup de cœur, hein, ces trucs-là. Et lui non plus n'a pas d'aptitude particulière. Il peut rien faire. Même pas sauter. Très bien. Bon, bah alors là, ça, à mon avis, c'est peut-être juste pour la collection. Ou alors, peut-être que dans un futur, ils vont rajouter. Lui m'a l'air d'être assez gros et haut. Il va peut-être rajouter des mobs un peu méchants. Et qu'on va pouvoir se défendre avec lui, hein, peut-être que... Donc lui, on l'avait vu. Je crois que c'est lui qu'on n'avait pas fait. Attendez, on va essayer. Vite, avant qu'il fasse nuit. Vite, 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 avant qu'il fasse nuit. Non, attends, je revienne en 1. Ou c'est lui qu'on avait depuis le début? Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. C'est génial. Et donc, on a toujours notre petite barre au-dessus. Hop. Notre petite base. On peut atterrir. On peut atterrir? Comment est-ce qu'on atterrit? Comment est-ce qu'on atterrit? Non, il reste en l'air comme ça. Bon, écoutez. Oh, on est joli, hein. Avec la lumière surtout, ça fait très très beau. Et on peut voler assez loin. Par contre, j'imagine que si on est en l'air, on a un peu des glitches, mais bon, ça c'est pas grave. Il y a d'autres biomes. J'imagine que si on est en l'air et qu'on doit se retransformer en quelque chose, on perd de la vie. Est-ce qu'on peut ramasser des ressources pendant qu'on est en... Ah, il nous prévient qu'il reste 50% d'énergie, pas mal. Bon, apparemment, on peut faire des recherches sur des mobs. Oh, il pleut. Oh, nice. On peut faire des recherches quand on est dans ce mode-là. Mais on peut pas récolter de ressources, à moins que j'étais trop loin, mais... Non, j'ai pas l'air de pouvoir récolter des ressources. Allez. Descends, on va aller voir c'est quoi ça là-bas. Et on va, à mon avis, terminer l'épisode là-dessus. Alors, je pense pas qu'il y aura vraiment matière à faire un let's play pour le moment. On sait toujours du sable, je pense, hein. Je pense pas qu'il y a matière à faire un let's play pour le moment en soi où bah, voilà, on a vu un peu ce qu'il y avait de disponible. Peut-être qu'il y a des petits monstres qu'on n'a pas vus. En soi, j'y rejouerai. Si jamais il y a d'autres monstres,
Je referai une vidéo pour le présenter, mais je pense que c'est bien là. Hein. On n'a pas spécialement beaucoup, beaucoup. On n'a pas non plus de but, vu qu'on n'a pas de nourriture. C'est. Enfin, de besoin de nourriture pour survivre. C'est un peu vite. On a un peu vite fait le tour. Mais de nouveau, c'est une pré-alpha. L'idée est intéressante. Donc, ben. Je dirais envie de dire mais un peu à voir ce que ça va donner dans le futur. On va suivre ça en tout cas. En attendant, moi je vous fais plein de bisous bisous. Et bien je vous dis à bientôt. Bye bye.